c'est Lolo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, on se trouve dans une toute nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va au top durant ses vacances avec un temps frérot. Tu sais pas d'où donner de la tête. Déjà, est-ce qu'il fait beau chez vous les frères? Moi c'est horrible ce temps, il est horrible. Aujourd'hui les mecs, je vous prends quelques instants avant que la vidéo elle commence comme d'habitude pour vous dire vraiment les mecs de vous abonner à la chaîne. On est bientôt 100 000 et si vous ouvrez bien les yeux dans cette vidéo, vous pouvez avoir des petits secrets de qu'est-ce qui va se passer à 100 000 abonnés. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner et activer les notifications. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à 3000 pouces bleus je vous ressors une vidéo. C'est les vacances donc on a le temps de faire masse vidéo. Venez sur mon Instagram car ce soir à 21 h je tire au sort le gagnant qui a gagné tout simplement la petite paire de gants. Donc vous avez encore jusqu'à 20 h 50, je vais dire à peu près pour participer et ensuite je vais tirer au sort. Du coup directement vous allez sur mon Instagram le tiré du bas BGL et vous allez participer. Les mecs, pour ceux qui ont des boosters, cette vidéo vous allez la kiffer parce que c'est là que vous allez nous servir les mecs vraiment comment on peut faire pour que son booster on le règle mieux. La frérot c'est un enfer son booster, du serrage, du pré-serrage, on sait pas mais c'est vraiment la fin de chez la fin. Écoutez bien le bruit qu'il fait parce qu'en vrai le régime moteur il est beaucoup trop haut et on sait pas si c'est un serrage ou un pré-serrage mais bref, je vous laisse avec cette vidéo. On se retrouve à la fin, bonne vidéo et dites moi en commentaire quel problème de scooter fou parce que frérot on va le jeter dans l'eau. Allez sur ce, je vous dérange pas plus, bonne vidéo, c'était Léo, ciao. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite nouvelle vidéo les mecs, vous allez taper des barres. Un booster en fin de vie frérot, c'est n'importe quoi. Il y a un kick 80 qui nous suit. On est bien équipé aujourd'hui. Les mecs, n'hésitez pas à mettre 3000 pouces bleus parce qu'à 3000 pouces bleus, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc tu sais ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il faut faire et puis voilà. Oh. Hey, il a quoi à son scout là? Il avance pas, c'est un costume rouge. Oh, il fait un bruit vide. Hein? Ah! Oh, c'est pas mal ça. Hein. Ah, c'est bon, ça fera des vues, ça. Mmh, j'aime bien. Genre en grosse comme ça, il n'y a plus d'essence. Ouais, non, comme si il y avait un lâche carburant fait. Il va accélérer avec le... Bah, en vrai, au pire, tu sers au magasin, ça sera bien. Au moins, il te refait un moteur direct. Je pense qu'il n'y a pas serré. C'est à cause de... Parce qu'en fait, genre... T'as vu quand j'ai fait le retour de flamme? Regarde déjà comment il tient le pot, frère. Oh, il tient pas le pot. Il a un plat. Oh... Et le scout en 2 semaines, même pour 1 mois, il était épave. Et il y avait combien de personnes derrière toi là sur la route? Il a fait un bouchon, frère. T'as pas peur de mourir derrière lui? Non, tranquille. Même moi j'aurais peur. Même moi j'ai peur. J'étais là, j'étais là. Eh, hey, il y a 1 mois, le scooter était tout neuf, tout beau, sorti de musée limite. Ah, mais juste les un petit, ouais, juste un petit, ça va. Et l'assurance, elle dit quoi? Tu sais que l'assurance, ça fait quoi? 15 jours, j'ai rien, aucun. Ni d'assurance, ni du mec, ni d'un. Non, elle est en dessous là, juste en dessous. C'est une Xara ça. Eh, y'a pas peur de la mort, hein, je vous jure. Oh. Là, il fait du bruit hein. Eh, l'autre on l'a perdu avec son booster hein. Oh, la priorité ici.
Ouais, Ginette. Elle est arrivée telle une déesse dans sa Twingo, frérot. Oh là là, il va. Le roi de rage, frérot. Il est peut-être mort là, non? Eh, la Twingo, elle est arrivée, elle m'a pris la priorité, frérot. Elle a dit. T'as mis de l'huile? Non, j'avais plus d'huile, du coup j'ai mis du coca, c'est pareil. Tu vas rentrer en bus, tu vas le monter dans un bus pour rentrer. Bah, tu les prends, rouler vite. Bah, on est obligé de rouler vite là. Au car, dit-il. Tu vas arriver au magasin, ça sera fermé. Moi je vais faire la course avec la Ami là. C'est vraiment la voiture sans permis des riches ça. Oh le loup. J'allais regarder leur alors. Leur booster il pue la mort là. C'est la fin. Et dire qu'il y a, il y a encore d'origine, hein, mais dire qu'il y a même pas 2 mois, il était tout neuf sorti de concession. Eh, 2 mois plus tard, c'est une épave. Wesh, la tête, ça va, Polnareff? Ça va bien le sang? Ouais, là, t'as la vie de caméra. Ah, elle s'est posé des questions, ouais. Bon, où est-ce qu'il est, leur magasin, là? C'est pour ça que c'est bien d'aller sur 50 Factory, les mecs. Vous avez pas besoin de vous déplacer au magasin. On va faire un départ, arrêtez là. J'ai gagné, allez hop. Oh, comment je les ai tous fumés. Incroyable ça. La derby, elle prend tout le monde au départ, arrêté. Un GSXR le truc. Ah, ça serait dommage pour lui de croiser la police, hein. Mais qu'est-ce qu'on rigolerait. Bah allez, bah c'est fermé leur truc. Ça au moins qui parle. Eh, ils pouvaient pas mieux se garer là. Il est parti acheter quoi là? Rien, je vais te toquer, vas-y. Ouais. Eh, hey, il se fait contrôler avec son scout, il est mort. Hein. Après, il dit c'est après, il dit. Ah bah va. Salut les mecs, aujourd'hui on va vous faire un petit tuto, changer un joint de peau sur un trottoir. Ah mais frère, en plein centre-ville, t'es le mec qui est là, il va changer un joint de peau. Non mais jamais vu ça de ma vie. Attends, mais sans rien, tu vas pouvoir le changer là comme ça là? L'espace de travail, l'atelier. La dernière fois, il m'avait oublié. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il tourne? Mec, on a abandonné le booster là. Ah, il est même plus dans le rétro là. C'est fini. Et ouais mon gars, si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre Team Go 100K dans les commentaires. Et les mecs, pour ceux qui veulent rouler dans le Nord avec moi, vraiment. Mais vraiment, j'ai envie de tourner plein de présentations. Donc envoyez-moi un message sur mon Instagram ou mon deuxième Instagram, parce qu'il y a moins de messages sur celui-là. Les frères, ceux qui vendent des épaves dans le Nord de la France, que ça soit cross, quad, moto, 50, surtout du 50, vraiment envoyez-moi un message, n'importe quel prix, pas des prix d'américains frérot, mais des bons prix pour des épaves. Bref, sur ce, bonne soirée à tous, c'est la fin de la vidéo, on vous attend en commentaire et sur Instagram, salut.